voulais vous, vraiment vous remercier d'être présent aujourd'hui. Ça nous rapporte le bonheur qu'on a, l'empressement qu'on a. Donc, cette exposition s'intitule Flaubert, le voyage en Égypte. C'est donc en octobre 1849 que Flaubert est parti. Il avait 28 ans à l'époque. Il est parti avec son ami Maxime Ducamp faire un très long voyage en Orient. Et ils ont séjourné 8 mois en Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont pu s'imprégner vraiment de l'atmosphère du pays. 8 mois. Périple très classique, mais aussi, il faut le dire, assez aventureux, car nous sommes en 1850 et à cette époque-là, le développement. Bonsoir à tous, nous gardons les yeux bien ouverts ce soir sur la nouvelle exposition du musée Flaubert à Rouen. En 1849, l'écrivain entreprend un voyage en Égypte avec son ami, le photographe et journaliste Maxime Ducamp. L'exposition nous fait revivre ce périple à travers une cinquantaine de clichés aussi rares qu'émouvants. Impression solennelle et inquiète quand j'ai senti mon pied s'appuyer sur la terre d'Égypte. Alexandrie, 15 novembre 1849. Flaubert livre une première émotion à son carnet de voyage. À 28 ans, il entame un long périple de 8 mois à travers l'Égypte. Une expédition. Avec son ami Maxime Ducamp, ils descendent le Nil à la voile, sur une cange, voyagent à cheval et dorment souvent à la Belle Étoile. L'écrivain est fasciné par le pays. Il tente de se dominer devant le sphinx qui les regarde, dit-il, d'une manière terrifiante. Il compare les crocodiles à de grosses limaces et Karnak à un palais de géants. Le Normand gravit avec peine les célèbres pyramides. C'est désespérant d'éreintement, avouera-t-il. Sa correspondance et son carnet fourmillent de détails pittoresques. Pour suivre le parcours des deux acolytes, le cinémagicien Olivier Ronet a donc dû collecter d'autres photos de l'Égypte au XIXe siècle. Alors les photos de Ducamp, effectivement, ne sont pas les meilleures photos pour illustrer le voyage en Égypte de Gustave Flaubert, puisqu'elles sont, elles sont scientifiques. Hein, il est en mission scientifique, donc il remplit son cahier des charges. Donc il n'est pas là forcément pour faire de la photo artistique. Donc il a fallu effectivement trouver des photos qui représentent des personnages, des émotions et qui se recoupent avec le texte de Gustave Flaubert. Ça, c'est, et on peut dire que le texte de Flaubert est carrément cinématographique. Le 17 juillet 1850, Flaubert foule le sol égyptien pour la dernière fois. Il restera très discret sur cette expédition et ne publiera jamais ses carnets de son vivant. Maxime Ducamp, lui, fera grand étalage de ce voyage. Il obtiendra même la Légion d'honneur avec son livre de photos. Les deux hommes sont bien différents sur ce point. Mais ce voyage de jeunesse nourrira l'imagination du futur grand écrivain. On le retrouve en filigrane dans Salammbô, Hérodias ou encore La Tentation de Saint-Antoine. Je voudrais également vous dire qu'il y a un grand programme culturel, des conférences qui sont prévues avec... L'incontournable Yvan Leclerc, que je ne vois pas là, qui n'y est pas venu, mais je sais qu'il a beaucoup de travail. Yvan, qui est le spécialiste de Flaubert. Et puis, un spécialiste sur l'histoire de la photographie, qui nous parlera de Maxime Ducamp. Nous aurons aussi, à l'issue des visites commentées, un film, que vous pourrez visionner si vous le souhaitez, qui a été réalisé par Olivier Ronet. Olivier Ronet qui nous fera également un spectacle de magie orientale, pour vous dire. Et les enfants ne sont pas oubliés, puisqu'il y aura des ateliers tous les mercredis intitulés « La malle de voyage de Gustave ». Donc ils pourront fouiller dans la malle de voyage de Gustave. Moi j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2008. Donc je me suis retrouvé sur le Nil et je me suis aperçu que quelque part sur l'histoire de ce pays, je ne savais pas grand chose. Et donc étant à la recherche à l'époque d'un nouveau sujet, parce qu'avant je diffusais de l'inventaire magique au numérique dans la région, dans la recherche d'un nouveau sujet, je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose à faire autour de l'Égypte. Donc en rentrant en France avec des images, je me suis aperçu que le voyage en Égypte de Gustave Flaubert avait été un sujet qui n'avait jamais été traité. Eh bien, ça n'a pas été fait. Donc de 2009 à 2010, j'ai été un peu dans le rame, dans la galère, on va dire. Et donc là, j'ai pris contact avec Yvan Leclerc, qui m'a reçu de façon... impeccable, et je lui ai demandé de l'aide. J'ai dit, monsieur Leclerc, voilà, je suis confronté à cette situation, pouvez-vous m'aider? Et là, monsieur Leclerc, très gentiment, allez voir monsieur Brochet, il va vous exposer. Alors, monsieur Brochet, qui est à l'UFM, donc je vais voir monsieur Brochet, et là, bingo, c'est lancé. Et ensuite, eh bien, bon,
j'ai rencontré Annie Lebrun, qui a tout de suite été intéressée par le sujet. Aussi une dame qui est à Paris, donc je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a aidé au niveau de la construction de la fiche technique, qui est une chose importante. Et donc cette dame s'appelle Claudine Brolet, donc c'est une dame qui s'investit dans les affaires du Mali. Et malgré son investissement, elle m'a quand même accordé du temps. Et il m'a donné des conseils qui ont été pour moi essentiels. Donc Claudine Brolet est anthropologue, c'est son métier. Jacques Guillou, qui est ici, que je remercie aussi, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer Madame Dubois. C'est lui qui m'a dit, Olivier, viens, c'est le moment. Si tu veux que ton exposition se trouve au Musée Flaubert, il faut que tu sois là. Donc je suis venu et j'ai rencontré Madame Dubois. Merci Jacques, merci, c'est très gentil. Et je remercie Madame Dubois, parce que Madame Dubois a fait un travail d'adaptation absolument extraordinaire. Elle s'est investie à 200%, on va dire, et a fait une adaptation très réussie en fonction de l'espace du musée. Alors donc Sophie de Moi, qui effectivement s'est investie dans on va dire, tout ce qui est raffiné, le découpage et tout, et même son avis a été très précieux. Je remercie aussi Jean-Luc Doisy, qui est, et par sa gentillesse et sa présence, son dévouement a été vraiment très, très, vraiment formidable. Merci. Une exposition totale, c'est sans cadre. C'est, on va dire, une dizaine de personnages présentés. Il n'a pas été possible de tout traiter. Ce n'était pas possible, l'espace n'était pas suffisamment important. Donc, Madame Dubois a fait cette adaptation superbe. Et en parallèle, moi, j'ai mis en place une autre exposition qui aura lieu à Honfleur du 5 février au 31 mai, qui, elle, va traiter plus de la question historique. Parce que, ici, on a une histoire de la photographie, des photographes, mais quelle était la situation politique en Égypte à ce moment-là? Comment ça s'est construit? Pourquoi ce voyage a pu avoir lieu? Parce que, quand on regarde bien, le voyage, un an plus tard, c'était pas possible. À cause d'Abbas Pacha. Ça, c'est la petite histoire. Et s'il n'y avait pas eu l'invasion d'Égypte par Napoléon, il n'y aurait jamais eu le voyage en Égypte de Gustave Flaubert. Donc la question historique transpire dans ce voyage. Et donc elle est traitée à Honfleur, à la médiathèque d'Honfleur. Et là, eh bien, on va rencontrer le grand officier, les fameuses prostituées, Choukanet, Azizé. Alors toutes ces sensations, tout ça. Impression solennelle et inquiète quand j'ai senti mon pied s'appuyer sur la terre d'Égypte. Thank you.
plantes, plus légères.